Après avoir annoncé être atteinte d'une maladie neurologique rare et annulé sa tournée, Céline Dion a posté une nouvelle vidéo sur Instagram ce samedi 24 décembre. Le 8 décembre dernier, Céline Dion a lâché une bombe à ses fans. La célèbre chanteuse est atteinte d'une maladie neurologique rare. Son rétablissement prendrait plus de temps qu'elle ne l'espérait et elle a donc été obligée d'annuler sa tournée. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que si est-il à cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois de la difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais, avait annoncé la diva, les larmes aux yeux. Je vous souhaite surtout beaucoup de santé malgré la maladie, Céline Dion s'est emparée de son téléphone pour poster une vidéo à quelques heures du réveillon. Elle a tenu à souhaiter de bonnes fêtes à ses fans. Joyeux Noël à tous, je vous souhaite de l'amour, du bonheur et surtout beaucoup de santé, a-t-elle annoncé sur ses réseaux. Céline Dion passe de bonnes fêtes de fin d'année et je te souhaite un joyeux Noël ainsi qu'à ta petite famille et je te fais d'énormes bisous, je t'aime, joyeux Noël et bonne année. Ma chère Céline, s'il te plaît, prends soin de toi, un très beau et joyeux Noël à vous, auprès de ceux qui vous sont chers. Prenez soin de vous, on vous aime, pouvait-on lire dans les commentaires. Elle se bat pour ses enfants, il en faut plus à Céline Dion pour tout abandonner, d'après Gilbert Coulier, qui fut longtemps le producteur de ses concerts en France. La chanteuse canadienne a toujours vécu pour son travail, mais la seule chose qui pourrait passer avant sa carrière, ce sont ses enfants, estime le producteur. Son épouse, Nicole Coulier, complète, Céline Dion a effectivement beaucoup enduré ces dernières années, mais elle aura à cœur de se battre pour ses enfants. Celle qui décrit la diva comme une femme forte, capable d'affronter cette épreuve est certaine que la veuve de René Angélil tiendra la promesse faite à ses fans, « Je fais tout ce que je peux pour me rétablir. » À lire aussi ses secrets défense, l'ex-producteur de Céline Dion évoque les problèmes de santé de la chanteuse canadienne, article écrit en collaboration avec Cimedia.